Salut les visionneurs, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles. On est toujours vivant comme d'habitude, voilà. Ça y est, j'ai pris une semaine de vacances, c'est pas toujours évident de prendre des vacances quand on commence un nouveau boulot. On est donc à Lajoux, comme celle-ci, mais avec un X, qui nous a été recommandé par Phil et Fab. Bon, c'est pas du tout un endroit touristique, c'est plus un endroit qu'on connaît quand on habite dans le coin. C'est là où il y a l'antenne télé, alors du coup on s'est mis là pour pique-niquer, on a fait les petites courses avant. On va se poser là, on a pris un petit logement, on est en voiture cette fois-ci et on organise nos petites vacances. On aime toujours autant la France, on est donc en Savoie. Et puis, apéro ! Alors au menu de ce pique-nique du midi, nous avons donc de la terrine de Savoie à la chartreuse et la terrine au chorizo. Terrine au chorizo, on est pas bien là, on est tranquille. On a été campé à Lajoux, on a fait une petite sieste l'après-midi, on est allé tranquille, il faut se reposer, c'est les vacances. Là on s'est dit, après les conseils de Phil et Fab, on s'est dit, bah, si on allait boire l'apéro avec eux. On est pas bien là, voilà, on s'est dit, on va voir Phil et Fab, une belle rencontre. C'est les joies de YouTube, les bons avantages, et c'est des gens super sympas et ça fait vraiment plaisir. Alors je vous dis à la vôtre et à la prochaine. Ciao. Hey, après une bonne soirée bien arrosée, fort sympathique, on se réveille avec une petite baguette savoyarde au reblochon qui passe nickel pour me requinquer. Regardez, on est pas bien là, une belle petite vue, on est dans un logement de ski. C'est super. Allez, bon réveil à tous. Hey, bon ben voilà, le temps a passé un petit peu, on a repris la route, on a repassé la Suisse pour remonter un peu, on est à commencer. Moirans en montagne. Voilà, on est toujours en voiture. Qui va loin ménage sa monture. On l'a fait un petit peu respirer parce qu'il fait bien chaud là. On n'est pas loin des 40 degrés. Donc voilà, on a donc repris la route. On a dormi hier soir dans un Formule 1. On a fait le côté classique. Et là, on a pris le petit sandwich. Et ce midi, c'est poulet curry kiri. On va se mettre bien. Et là, on attend donc devant l'office de tourisme qui n'ouvre qu'à partir de 14h. Donc on est un peu bloqué. C'est pas grave. On a le temps. Petite pause du midi. Et après. C'est parti! Hey! Bon voilà, après la visite de l'office de tourisme, on est donc allé se baigner dans un super beau lac. Et on est allé visiter un village, je vous remettrai le nom en dessous parce que j'ai pas la mémoire de tout. C'était vraiment sympa, je vous invite à voir ça. En fait, on est dans le Jura et on est dans une zone, comment dire, ici c'est tout ce qui est jouets, les jouets pour les enfants. Alors si vous avez des enfants c'est vraiment top. Il y a même le musée du jouet et donc du coup je prends ma vidéo au niveau du musée du jouet. Parce que on a cherché un coin où dormir, comme vous le savez on est en voiture, on n'a rien réservé. Et on a donc trouvé l'hébergement qui fait partie du musée du jouet. Alors c'est vraiment super. En fait c'était vide parce que la personne qui gère ça part en vacances. Enfin bref, nous on a réussi à avoir une chambre dedans. Je vous passe les images en même temps, c'est vraiment bien, on a été très bien reçus. Normalement c'est 17 euros pour les groupes de 10 personnes et 25 euros par personne. Nous on s'est arrangé avec elle, on lui a fait un petit tarif à notre sauce. Moi ça me va bien comme ça et c'est super. Et du coup on en profite pour visiter un peu les alentours. On a le magasin qui est pas loin pour faire les petites courses. Et c'est super, on a le beau temps, on est vraiment bien tombé. Ça nous a pas coûté trop cher. Et aujourd'hui une petite journée sous le soleil au programme baignade et plus beau village de France. Allez on vous emmène avec nous, c'est parti. Bon, nous sommes donc à Clairvaux-les-Lacs. On est allé chercher un peu de fraîcheur dans l'église et ça fait pas de mal parce qu'il fait vraiment chaud. Je crois qu'on est sur 35 degrés dehors et il fait chaud. Voilà, un petit peu de fraîcheur et on va aller se boire un petit verre.
Hey, nous voici arrivés. On est où au fait? Baume les messieurs, nous voici. Bon bah c'est bien, il fait plaisir, il fait beau. Ça a pas l'air super grand, mais ça a l'air sympathique. Allez, on décharge la voiture et on y va. Ma femme à moi, elle est toujours aussi belle. C'est pour ça que je l'ai demandé en mariage. C'est chaud ici. C'est difficile de monter en plus. Une journée fort agréable dans ce petit village de France bien sympathique. On est redescendu 2 km plus bas parce qu'il y a une grotte, alors je sais pas trop ce que ça vaut le coup. On va regarder, vous avez vu, il y a les petites cascades sympathiques. Et nous on s'est arrêté dans le petit snack du coin. On va se prendre quelques frites. Voilà, histoire de se requinquer un peu parce que mine de rien on a marché pas mal. Hein. Allez, bon appétit! Bon, bah après un petit repas et une petite marche, nous sommes arrivés à la grotte. Alors on va visiter une grotte, pour moi c'est la première fois. Et on laisse la petite se reposer, faire sa petite sieste, comme ça après on est tranquille. Allez, petite pause et après grotte. Ouais bah voilà, notre séjour se termine dans cet hébergement du musée du jeu. Je voulais juste vous montrer rapidement. Ça vaut vraiment le coup si vous êtes en famille. Nous on a eu droit à la chambre séparée pour la fille, on a mis le lit, c'était vraiment super. J'ai retrouvé les joies des louches du camping-car, toute petite. Enfin c'était coolos, on a notre petite salle de bain. On gardera un très bon souvenir, on fera sûrement un jour le musée des jeux quand la fille sera plus grande. Donc voilà, bah écoutez, nous on a passé un bon séjour ici, on continue donc la route pour un autre plus beau village de France et on vous dit à tout de suite.
comment passer dans le Jura sans prendre un petit bout de comté. Eh ben voilà, Château Chalon, c'est une très bonne adresse, c'est un très beau village. Il y a du vin, effectivement, il y a du vin du Jura, mais il n'y a pas que du vin. C'est pas comme en Alsace, dans ce village où on a été, où j'étais globalement déçu. Ici, c'est vraiment super et ça confirme qu'on a vraiment une belle France. Et je vous invite à tous à visiter la France avant de prendre l'avion pour les autres pays. Après ça, quand vous serez vieux et que vous n'aurez plus d'énergie. J'ai encore le souffle coupé tellement que c'est beau. Alors franchement, ici c'est vraiment super cool. Et vraiment, je vous y invite, je vous y convie, parce que c'est vraiment super. Il y a plein de bonnes choses, il y a plein de gens bien, les gens sont fort sympathiques. Enfin, tout est bien pour passer une super journée. Et même s'il fait pas super chaud et super beau, je pense que ça vaut vraiment le coup de venir ici. Après cette belle journée très très chaude, on a cherché des points d'eau pour se rafraîchir cette fin d'après-midi. On s'est rapproché de notre prochaine destination. Nous sommes donc à Besançon. Voilà, ce soir c'est Buffalo Formule 1 Besançon, tranquille. Et voilà. Et mais en fait il est 21h et on est encore super chaud. Oh là 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 là, le 3 août, hein, je pense à tous les gens qui sont en ce moment dans le sud de la France. Là, il doit avoir encore plus chaud que nous, truc de malade. Hey!
et franchement, ces nouvelles pendules des temps modernes avec le poids qu'on remonte, ah, c'est classe, hein. C'est cool, c'est cool.